vous. Bonjour à tous. On a vu ce matin, j'ai intitulé ma conférence le tapis cosmique, mais au fond, franchement, déjà ce matin, un peu élaboré la nature de ce tapis cosmique en montrant comment tous ces cycles et ces intercycles s'entrelacent les uns avec les autres. Je voudrais que l'on fasse ensemble un pas supplémentaire dans cette direction cet après-midi, à savoir que, au fond, on peut regarder une planète comme un objet, c'est-à-dire à ce moment-là, on va faire de la planétologie ou de l'astronomie. On peut regarder une planète comme étant inclus dans une dynamique, c'est-à-dire dans un système, qui est le système solaire. Et c'est à partir de cette observation qu'André Barbeau a développé son indice cyclique, dont on a parlé ce matin, et prévu en 2010 la pandémie de 2020, de manière très explicite. Mais on peut aussi regarder les archétypes, les planètes, au fond, comme des archétypes, c'est-à-dire arché veut dire principe en grec, c'est-à-dire comme des forces signifiantes, essentielles, qui vont agir sur la masse humaine et produire l'histoire. Donc la thèse que je voudrais développer ici, c'est que ce n'est pas l'histoire qui produit les mythes, c'est les mythes qui produisent l'histoire. Et on peut enfin l'aborder une planète sous un quatrième angle, et ces quatre angles, bien sûr, sont complémentaires. On peut considérer que c'est un numène au sens grec ancien. Or, les numènes sont des forces agissantes, les numènes ou les dieux, sont des forces agissantes qui traversent la personne et l'amènent à se transformer ou à prendre telle ou telle décision ou à développer telle ou telle vision du monde. Donc, une planète, c'est à la fois un objet, il est inclus dans un système, c'est une force signifiante et c'est un numène qui agit à travers chaque individu. Donc c'est dans cette optique, je voudrais qu'on aborde ce qu'on appelle communément l'astrologie mondiale, c'est-à-dire cette conscience qu'on est en train ici de développer une méta-histoire, c'est-à-dire une histoire des courants de forces invisibles qui vont présider à l'organisation des formes politiques, sociales, économiques, juridiques, etc., militaires, dans le monde. Et pour reprendre ce que disait Hegel, Hegel disait... l'histoire est l'acte par lequel l'esprit prend la forme de l'événement. L'histoire est l'acte par lequel l'esprit prend la forme de l'événement. D'où ce qui justifie au fond une lecture symbolique de l'histoire, puisque l'événement va nous raconter la nature de l'esprit, la nature du monde du sens, qui est en train de se frayer un chemin en ce moment dans notre monde et dans nos consciences. Donc je vous invite non pas seulement à voir la complexité du système, parce que si vous essayez de la comprendre, vous allez vous perdre, surtout en 2 heures ou 2 jours, mais à sentir la présence des archétypes, la présence des forces signifiantes. Et c'est cette sensibilité-là, en réalité, qui va nous permettre d'agir sur et dans le monde, en commençant par le monde intérieur. Je reviendrai sur la sensibilité tout à l'heure, parce que c'est évidemment un point important. Mais déjà, sentir la présence du monde du sens nous reconnecte au monde des étoiles, nous reconnecte à notre histoire personnelle et nous reconnecte à la grande histoire. Donc c'est un peu ici l'objectif de cette conférence cet après-midi. Alors, pour tout de suite aller au début, qui sera aussi la fin, j'ai noté ici alors, les dates importantes des 40 prochaines années à venir. Donc vous avez en ordonnée, enfin en haut, les conjonctions Neptune-Pluton, Uranus-Pluton, Uranus-Neptune, Saturne-Pluton, etc. J'ai mis les initiales des planètes. Et ici, en verticale, conjonction, donc 0 degré, carré 90 degrés, opposition 180, second carré qui n'a pas le même sens que le premier, et nouvelle conjonction. Donc vous avez par exemple ici l'opposition Uranus-Pluton qui se passera en 2046. Donc ce sont les dates essentielles, les grandes étapes de l'humanité pour les 40 prochaines années à venir. Alors maintenant, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut leur donner du sens. Pour leur donner du sens, il faut remonter dans l'histoire. Donc c'est ce que je vais faire, je vais remonter dans l'histoire par rapport à ces grandes conjonctions successives, Neptune-Pluton par exemple, et voir en quoi, où on en est dans le monde actuel par rapport à cette conjonction,
et qu'elle ait son sens, parce qu'elle a été le fruit de toute une maturation de 4000 ans, puisque, dans un cycle de 4000 ans, parce qu'on peut en parler ce matin, François. Donc vous voyez bien que ici, on va ouvrir des entonnoirs vers le passé pour voir comment les événements vont pouvoir se concrétiser, et quel type d'événements, et surtout quel type de sens va se mettre en place à ce moment-là, aux dates qui sont marquées sur ce tableau. Donc pour comprendre le présent, il faut remonter très loin dans le passé. Et on va remonter à peu près, pour commencer, à 1 million d'années. Pour vous montrer une chose, c'est qu'on est dans une période cruciale, de, non pas de notre histoire, mais de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans une véritable crise ontologique de la nature humaine. Alors c'est assez facile à démontrer si on regarde les choses comme ça. Il y a à peu près 1 million d'années, époque du nomadisme, il y a à peu près 13 500 ans, c'est le début de l'agriculture élevage, à l'est du bassin de la Méditerranée. Il y a à peu près 250 ans, le début de l'ère industrielle. La première révolution industrielle, c'est 1870, hein, donc ça fait à peu près 250 ans. 1780. Et puis, il y a 30 ans, l'ère de création-communication. On peut prendre la date de 1989. Là, on va mettre 1781. Puis là, évidemment, on n'a pas de date. Pourquoi je prends 1989 ? Parce que c'est une date astrologique importante, bien sûr, mais c'est surtout le moment où on a inventé l'hyperlien Internet. Et donc, ce fameux hyperlien sur lequel on clique tous les jours, qui est apparu en 89, a permis, finalement, la généralisation d'Internet dans le monde entier. Et donc, vous voyez qu'on arrive... Alors, si on fait l'analogie, nomadisme, c'est l'âge d'or. Agriculture, élevage, c'est l'âge d'argent. Industrie, commerce, l'âge de bronze. Et on est rentré dans l'âge de fer en 89. C'est évidemment une analogie par rapport aux quatre âges, mais on sait que les âges sont plus courts les uns des autres. Et on a bien sûr cette impression que le temps va de plus en plus vite et que le temps nous est compté aujourd'hui, simplement parce qu'on arrive à une phase de retournement, dont je préciserai les dates tout à l'heure. Mais vous voyez que pourquoi il n'y a pas de cinquième âge ? Alors très rapidement, on peut regarder la vie, par exemple la question du... On pense aujourd'hui que la vitesse d'évolution des sociétés est liée à la vitesse de transfert des informations. Donc nomadisme, on marche à pied. Agriculture, élevage, on marche sur un âne ou sur un chameau. Soit sur un âne ou sur un chameau. Ici, 1780, invention du télégraphe ou d'autres moyens de communication plus rapides déjà. Et puis là, on va à la vitesse de la lumière avec l'invention de l'Internet. Mais on ne peut pas aller plus vite que la lumière. C'est ça le point important. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une nouvelle révolution, un nouvel âge qui fera qu'on ira plus vite que la lumière. Si on regarde le corps humain, il y a 1 million d'années, on avançait avec ses pieds. Agriculture, élevage, c'est les jambes qui font avancer la charrue. 250 ans, développement de la société de consommation. Donc c'est les viscères qui vont être ici. Et puis ici, bien sûr, c'est la tête, le système nerveux, qui permet d'appuyer sur le bouton quand il faut le plus vite possible. On ne peut pas aller plus haut que la tête. Donc là encore, on est dans une forme de limite. Si on regarde les moyens d'échange, ici c'était du troc, ici c'était des pièces de monnaie, ensuite on est arrivé au papier, et enfin on arrive à la carte numérique. On ne peut pas aller plus vite que la carte numérique. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Qu'aujourd'hui on est dans un temps qui s'accélère et on est dans une espèce de mur de lumière. C'est-à-dire soit...
notre nature humaine change complètement, soit on se crache quelque part. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a le choix de se cracher. On peut se cracher dans une bombe atomique, on peut se cracher dans l'intelligence artificielle, on peut se cracher dans la pollution, on peut se cracher dans... Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on va adapter la nature humaine à un nouvel homme qui va renouer avec une nouvelle femme d'âge d'or. Donc, est-ce qu'on peut recommencer? Donc, c'est pour ça que je disais, nous sommes dans une étape cruciale de notre histoire, qui n'est pas seulement une crise de civilisation, qui n'est pas une crise écologique, qui n'est pas une crise économique, qui est une crise ontologique, c'est-à-dire sur la nature humaine. Donc, je voulais repositionner ça. Pourquoi je mets Capricorne, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, si on regarde aussi notre rapport à la nature, et je terminerai là-dessus pour ce point, le nomade était en fusion avec la nature, était en osmose avec la nature. L'agriculture, élevage, c'est le début de la chute, en fait, l'agriculture et l'élevage. Hein. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un grand carré, un grand pré autour de lui. Il a dit, ici, c'est chez moi, et là, c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi, il va toujours attaquer le chez moi. Vous savez, la fameuse guerre entre les nomades et les sédentaires. Et donc, il a mis une barrière. Et la nature, c'était une nature contrôlée, domestiquée. Ensuite, à l'époque ouvrière, industrie, les ouvriers sont rentrés dans les usines, c'est-à-dire ils ont quitté le jardin, ils ont quitté la nature. Ils voyaient à peine la lumière. Et aujourd'hui, avec, depuis notamment 2020, avec le télétravail, on rentre derrière les écrans et on est de plus en plus isolé. La nature est de plus en plus extériorisée ou ignorée. C'est pas de faire sur le bureau, s'il vous plaît. Vous voyez ce processus quasi inéluctable, ce sont les forces historiques. Donc ce processus quasi inéluctable, le confinement. Le nomade est libre, l'agriculteur est confiné dans son champ, il ne peut plus se déplacer à cause de ses bêtes qu'il faut soigner. L'ouvrier est confiné dans son usine, et en 2020, il était confiné dans nos appartements, ce qui est un signe, évidemment, de l'esprit du temps qui fait qu'on est de plus en plus obligé à quitter le monde extérieur pour aller vers le monde intérieur. Donc vous voyez que ces dates que j'ai mises là, il va falloir les interpréter, évidemment, dans l'esprit du confinement. Dans l'esprit de l'ère du temps qui se met en place depuis un million d'années. Donc, dans une forme d'esprit qui dit comment passer de la vie extérieure à la vie intérieure et créer une puissance d'intériorité suffisante pour faire, en réalité, ce que nous demande la nouvelle civilisation qui est née avec la mécanique quantique, qui est née avec l'art moderne, qui est née avec les travaux du sol, etc. Je vais vous en détailler tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir, une fois ça c'est le grand contexte en réalité. Donc, je vais revenir sur le cycle qu'a développé Fanchon ce matin, qui est le cycle de 4000 ans, 3996 ans pour être précis, lié à Neptune-Pluton. Uranus-Neptune-Pluton. Alors, effectivement, en -577, nous avions dans le ciel une triple conjonction Uranus-Neptune-Pluton dans le à 11 degrés du taureau, dans le signe du taureau. Uranus, c'est la liberté qui divise. Neptune, c'est le mythe qui fédère. Pluton, c'est la puissance qui coagule et qui amène à la métamorphose. Donc ce sont trois grands pouvoirs, trois grands archétypes, trois grands principes qui vont organiser en fait tout le 4000 ans dans lesquels nous sommes encore. Ces planètes ont respectivement été découvertes en 1780, 1846 et 1930. Alors il suffit de regarder, ça veut dire qu'elles sont devenues pour la première fois conscientes dans notre histoire, conscientes pour l'humanité dans notre histoire. Donc 1780, prémisse de la Révolution française, sur laquelle on pourra revenir, mais surtout publication de la critique de la raison pure par Kant, et des liaisons dangereuses de Chatelos de Laclos. Vous voyez qu'ici, avec Uranus, on est dans le champ de la liberté, de la transgression, de la raison, de la pensée, qui pour la première fois deviendra, comment dirais-je,
C'est un bout de papier qui va servir de constitution. Donc, pour la première fois, c'est la pensée, quelque chose qui est écrit, les droits de l'homme, qui servira de référence. Avant, c'était le roi ou Dieu. Donc, c'est ça, Uranus. C'est le fait du premier vol en ballon en 1781 aussi. C'est le fait de se décoller des racines terrestres pour conquérir l'univers de la pensée, l'univers de l'homme. 1846, pour la première fois de notre histoire, Neptune est devenu conscient. Et curieusement, à ce moment-là, on a inventé quoi ? Ben, le pneu, le chloroforme, le timbre à imprimer et bien sûr la publication du Capital de Marx. Donc on est dans la même logique, qui est une logique de traverser les frontières, d'aller vers une forme d'universalisme de la conscience. Le pneu, il traverse les frontières, le timbre poste aussi, et les partis communistes, ils ont aussi traversé les frontières. Si on regarde le principe qui est derrière l'événement, toujours. Et puis 1930, découverte bien sûr de Pluton et naissance du fascisme en 1932, Hitler envoie 200 députés au Reichstag. Or, Pluton, c'est une puissance qui coagule. C'est le mot faisceau a donné fascisme. Alors, si on veut associer ces trois planètes aux trois grandes qualités qu'on évoquait tout à l'heure de la Révolution française, on peut dire bien sûr liberté avec Uranus. Égalité avec Neptune et fraternité avec Pluton. Pourquoi la fraternité avec Pluton ? Parce que les frères, ce sont eux qui possèdent le même sang. Le droit du sang est lié à Pluton et lié, bien sûr, au droit du territoire et a été la base du fascisme sous son aspect libre. Donc ça, c'est pour le champ politique, mais l'idée, c'est quoi ? C'est que depuis 1577 avant notre ère, ces grands archétypes sont progressivement devenus conscients pour l'humanité. Pour la première fois, nous pouvons questionner et conquérir la liberté, questionner et conquérir l'égalité, questionner et conquérir les puissances qui nous habitent et qui habitent le monde. C'est un travail, parce que sinon c'est eux qui vont nous manipuler, bien évidemment. Alors, 577. Donc on a cette triple conjonction et elle se trouve en taureau. Alors on peut réfléchir à c'est quoi le taureau ? Le taureau, vous le voyez, c'est la conjonction du soleil et de la lune. C'est un signe qui est réputé matérialiste, mais c'est en réalité le signe le plus lumineux du zodiaque, puisqu'il contient les deux luminaires. Donc quelle est la promesse de cette triple conjonction ? C'est de réunir l'esprit solaire et la forme lunaire. C'est de marier l'esprit et la matière. Donc la grande promesse de ce cycle de 4000 ans dans lequel on se trouve, qui se termine en 3300 les poussières, c'est ce mariage esprit-matière. Donc je vous invite aussi à voir ça, c'est-à-dire où est-ce que je focalise mon attention ? Est-ce que c'est dans la construction à l'extérieur ? Ou est-ce que c'est dans une sorte de transcendance qui permet à ma matière, c'est-à-dire à mon corps, d'être illuminé par l'esprit pour révéler la beauté de la forme ? Alors, cette promesse de 1577 s'est égrenée, s'est déroulée en quelque sorte, au fur et à mesure des conjonctions de Pluton. Avant, je voudrais vous parler. Plus globalement, pourquoi on s'intéresse surtout à l'Occident ? D'abord parce que c'est compliqué de s'intéresser à l'astrologie mondiale, à l'ensemble du monde. Mais voyez la chose suivante, c'est que le monde grec, le miracle grec, avec Pythagore, Anaximandre, etc., a incorporé les qualités d'Uranus, c'est-à-dire de la raison pure. Pythagore a développé la valeur du nombre à la fois comme archétype et comme moyen de calcul et toutes les mathématiques qui sont derrière. Donc ça, c'est le monde grec et l'Occident dont il est issu. Mais Bouddha, contemporain de Pythagore, a développé Neptune, en fait, l'archétype Neptune, c'est-à-dire le nirvana, le pur amour, la conscience de la Maya, la conscience de l'illusion, la sortie hors du monde par la méditation. On est bien dans le champ de Neptune, l'ahimsa, la non-violence, qui était déjà très présente dans le bouddhisme avant Bouddha, dans l'hindouisme avant Bouddha. Et puis la Chine, alors la Chine c'est plus difficile parce que la Chine en fait a eu deux grands prophètes, Confucius et Lao Tzu, qui étaient contemporains, ils se sont rencontrés pour ce temps.
Mais Lao Tzu est le prophète du futur et Confucius a réactivé les mémoires de l'ancien cycle de 4000 ans précédents. Pourquoi ? Parce qu'il a développé le culte des ancêtres, il est revenu au culte des ancêtres, il est revenu à la diplomatie, à la famille, etc., etc. Alors que si vous lisez, bien sûr, le Tao, le livre du Tao, vous avez une métaphysique profonde et très hermétique, du reste, qui va directement à l'essence de la vie, à l'essence du vivant, qui essaie de contacter directement l'essence du vivant. Donc on peut se poser aujourd'hui des questions, est-ce que la Chine n'est pas dans une voie régressive par rapport aux besoins du temps, du fait qu'elle n'a pas accueilli complètement son autre prophète qui est là dessus. Donc la position chinoise est un peu plus difficile. Alors, en Occident, alors qu'on fait qu'en commun ces trois ou quatre, on parlait de Mahavira aussi, hein, qui est le fondateur du jainisme, Zoroastre, c'est plus compliqué, c'est très controversé. Certains le situent au VIe siècle, d'autres bien avant, c'est plus controversé. Qu'est-ce qu'ils ont tous fait, en fait ? Ils ont, comme point commun, ils ont mis de côté, à part Confucius, je l'évoquais, mais ils ont mis de côté la complexité des rituels de l'Ancien Monde pour proposer un contact direct avec, avec le sacré. Pythagore par les nombres, Bouddha par la voie de l'extase, du nirvana, et Lao Tzu par la puissance de la vie qui incorpore le corps. En quête d'immortalité. Donc c'est très difficile de faire l'astrologie mondiale des autres, de l'Orient et de l'extrême-Orient, simplement parce qu'on ne peut pas forcément l'aborder à partir du logos uranien, qui est typique de l'Occident. Donc, du coup, je suis resté totalement en Occident pour observer le déploiement des cycles Neptune-Pluton qui vont suivre. Il faudrait être chinois ou indien pour vraiment comprendre, avoir développé tout ça. Alors, en fait, si on regarde, on a des périodes de 1000 ans qui sont deux fois 494 ans, en gros, ça fait 1000 ans. Donc, on a des cycles de civilisation de 1000 ans qui égrènent notre histoire. Donc, moins 577, conjonction Neptune-Pluton. On en a une en moins 80 à peu près, et une autre en 400. 905 et 1399. Donc, je suis obligé de le faire en bref. Mais vous voyez une chose, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en 411, en 410, 411, Alaric, pourtant allié de Rome, légion étrangère certes, mais allié de Rome, décide de retourner ses forces contre les Romains et il va saccager Rome. C'est une tempête géopolitique. Depuis 800 ans, Rome n'avait jamais été conquise ni battue. Et ça s'est passé précisément en 410, c'est-à-dire lors de la conjonction Neptune-Pluton décroissante. Et si on regarde, on va pas le temps de le faire, mais si on regarde en détail, à chaque fois qu'on a une conjonction Neptune-Pluton décroissante, on est dans une période de chaos qui s'annonce. 1337, hein, c'est là, juste avant 1399. 1337, c'est la guerre de 100 ans, suivie de la grande peste noire qui se terminera en 1453 avec une conjonction Vénus-Pluton. Donc, les cycles décroissants Neptune-Pluton, enfin, la conjonction décroissante, pour être précis, annonce une période de chaos où le mythe fondateur qui a produit la civilisation de 1000 ans précédente, ou 5 siècles, mais plutôt de 1000 ans, est en train de péricliter, de disparaître. 905, 890-900, c'est les invasions vikings et magyars qui déstabilisent profondément le féodalisme européen. Je vous le signale parce que les vikings qui envahissent l'Europe vont s'installer dans la Rousse de Kiev, qui est la naissance en fait de l'Empire russe, qui est la naissance de la Russie. Donc la Russie est liée au cycle de Neptune-Pluton. Et les Magyars ont donné plus tard la Hongrie, qui est aussi un peu dissidente par rapport aux valeurs européennes. Donc vous voyez que regarder l'histoire permet de comprendre les enjeux du présent, parce qu'au fond, c'est des qualités d'énergie qui s'incarnent dans les peuples.
En fonction du moyen du bord, hein, si vous avez un téléphone portable, il va utiliser, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la qualité d'énergie va utiliser tous les moyens du bord à sa disposition pour exprimer sa singularité. Et donc l'idée, c'est d'aller vers un monde, c'est à ça que l'astrologie moderne, c'est d'aller vers un monde qui crée une véritable symphonie dans les relations internationales, plutôt que d'imposer à tous un modèle unique, qui est le modèle occidental. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque espace géographique a son mythe fondateur, a ses valeurs propres, et si elles arrivent à chanter ensemble, à ce moment-là, on va vers une symphonie des nations, alors qu'aujourd'hui, on considère que le concert des nations est en fait est le fait d'imposer à toutes les nations une valeur unique, qui est celle du monde occidental. Urano-plutonienne, pour le dire comme ça. Donc, je reviens à nos cycles. Donc, on a eu 1000 ans, en Occident en tout cas, puisque l'Empire romain d'Orient a continué encore pendant 5 siècles, mais pendant 1000 ans, pardon. Donc, en Occident, on a eu 1000 ans de civilisation gréco-romaine, puisque le début du miracle grec a commencé en 577, et Rome a explosé en 410. Ensuite, s'est mis en place les 1000 ans du Moyen-Âge. Le 1399, c'est exactement l'année de la Renaissance italienne. Et jusqu'en... Ça nous mène à la prochaine conjonction Neptune-Pluton, qui est 1892. Et on voit qu'entre 1399 et 1892, le nouveau mythe fondateur, alors, qui a construit la civilisation, c'est le mythe de la raison cartésienne, c'est le mythe de la pensée analytique. Je vous disais tout à l'heure que Neptune, c'est le mythe qui fédère les consciences. Pendant les 1000 premières années, on a eu le mythe de Rome, Numa, Romulus et Remus, qui était le mythe fondateur. Après, on a eu 1000 ans de mythe fondateur fondé sur le christianisme. Et après, on a eu 5 siècles de mythe fondateur fondé sur la croyance que la raison explique tout. Alors, si on regarde, autrement dit, les 1000 premières années de notre histoire, l'idéal de l'homme, c'était le héros, c'est-à-dire celui qui réussit dans un combat et meurt au nom, dans la gloire du combat. Pendant les 1000 ans suivants, c'était le saint, c'est-à-dire celui qui est capable d'incorporer dans son corps la présence divine. Je vous renvoie au corps conservé, par exemple, du christianisme. Et puis, pendant les 5 siècles qui ont suivi, jusqu'en 1892, le personnage emblématique, c'était Newton, c'est-à-dire le personnage du savoir. Donc, l'idéal de l'homme a changé au fil de l'histoire. Mais on a néanmoins construit progressivement un espace géographique qui s'appelle l'Europe. On a construit une sensibilité commune à l'Europe grâce au christianisme. La charité, le sens de l'autre, l'ouverture du cœur, la reconnaissance en chacun de l'autre, de la présence de Dieu. Ça, c'était totalement inconnu des Romains et impensable pour un Romain parce que... C'était une civilisation en réalité très violente. Et puis, on a enfin, dans une troisième étape, développé la raison comme espace d'analyse, de compréhension du monde. Donc vous voyez qu'il y a une personnalité collective occidentale qui se construit, physique, émotionnelle, mentale. Ça, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, si on va dans le sens de l'histoire, on va se demander qu'est-ce qu'on va construire à partir de 1892. Alors, il faut regarder. 1892, alors je vous disais tout à l'heure que les événements, nous, si on les lit symboliquement, nous parlent de la nature de l'esprit du temps. C'est-à-dire, ils nous parlent de la nature des forces signifiantes qui cherchent à prendre forme et, au fond, de la volonté de Dieu qui amène l'humanité dans une certaine direction. Car l'histoire n'a pas seulement, il n'y a pas seulement du sens dans l'histoire, il y a aussi un sens à l'histoire. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous montrer tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1892? Alors, 1900, hein, si on prend un orbe de 7 de 10 degrés pour la conjonction Neptune-Pluton, qui a eu lieu en Gémeaux. Alors, Chanson l'a précisé ce matin, mais la conjonction Neptune-Pluton de 1399, pour la première fois, a eu lieu en Gémeaux.
Donc effectivement, développement de la pensée, du recul, de la perspective avec Brucelli, de la presse imprimée avec, en 1452, etc. Par la suite. Donc 1892, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, plusieurs choses. Becquerel, je crois que c'était en 90, découvre la radioactivité. 1900, alors 1900, on a une floraison de choses importantes. Planck développe la notion de quantum. Alors, c'est assez intéressant parce que Planck, lui, c'était une astuce mathématique pour résoudre un problème physique. Il se dit, c'est la notion de quantum, c'est-à-dire que l'énergie est quantifiée et qu'elle saute d'un endroit à un autre, alors qu'on était habitué aux choses continues à l'époque. C'est un truc complètement, c'est une vue de l'esprit. Mais ça a été utilisé en 1905 par Einstein, il a eu le prix Nobel pour ça, pour démontrer le phénomène de photovoltaïque. On sait qu'Einstein a eu le prix Nobel, mais pas pour sa théorie de la relativité, mais pour sa démonstration du mécanisme des panneaux solaires. Donc Planck. Alors, bien sûr, Einstein, 1905 et 1915, c'est deux théories de la relativité, restreinte et générale. 1900, on a eu également les travaux philosophiques de Husserl, qui sont fondamentaux, hein, si on veut comprendre le monde moderne, sur l'introduction à sa phénoménologie transcendantale. On a eu Freud, ses conférences sur la psychanalyse date exactement de 1900. Alors, 1911, je prends la date de séparation, on a eu Jung. Jung s'est séparé de Freud en 1911, donc inconscient personnel, inconscient collectif. Et on a eu, Kandinsky, qui a écrit un petit ouvrage en 1905 sur l'art moderne. Il a posé les fondements de l'art moderne. Et enfin, on a eu Cantor, qui a également travaillé pour la première fois sur la mathématisation des espaces infinis. Alors, juste pour que vous vous rendiez compte de la complexité, de l'infinie simplicité d'une chose complexe. Si vous prenez, c'est Cantor qui fait cette démonstration. Si vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., les nombres entiers naturels, il y en a une infinité. Donc très bien, il y en a une infinité. Mais si vous extrayez, on va faire ça comme ça, si vous multipliez que les nombres pairs, 2, 4, enfin si vous multipliez par 2 en fait, ça fait 2, 4, 6, 8, etc. Donc il y en a une infinité. Vous êtes d'accord? Donc il y a une infinité de nombres pairs, mais comme tous les nombres pairs sont compris dans l'infinité des nombres premiers, il y a un infini qui est plus grand que l'autre. Ça ne vous choque pas qu'il y a un infini plus grand que l'autre? C'est infiniment simple à démontrer. Mais personne ne s'était attaqué à ce problème avant lui. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on est dans un monde, on est rentré depuis 1892 et pour 5 siècles, dans un monde qui va défier la raison cartésienne, qui n'est pas, dont notre cerveau n'est pas encore complètement formaté pour se le représenter, parce qu'il est sur les vieilles valeurs newtoniennes. Pourquoi? Parce que la radioactivité, c'est un phénomène qu'on n'explique pas encore aujourd'hui. Hein. On dit que c'est dû au hasard, mais enfin, la déflagration des atomes. Mais l'inconscient collectif, l'inconscient personnel, c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler par la raison. Le quanta, les sauts d'énergie qui passent d'un espace à un autre sans qu'il se passe rien, entre les deux, on n'arrive pas à comprendre. C'est tout le problème de la mécanique quantique qui sera définitivement formulé en 1925. Husserl qui dit « À chaque réalité objective à cette chaise, il y a un espace eidétique, il y a un espace dans le monde métaphysique qui correspond exactement à la chaise. » Ça aussi, c'est difficile à concevoir. Et puis, Kandinsky qui cherche à travers l'art moderne d'exprimer les forces formatrices qui sont derrière les choses. C'est parce qu'il était très inspiré de l'anthroposophie. En fait. Donc, le point commun à tout ça, c'est quoi? C'est derrière les objets, il y a des forces, il y a des mystères.
il y a des mystères. Et notre cerveau n'est pas encore suffisamment construit pour entrer, pénétrer dans le monde, dans le surréel, dans ce monde des mystères. Donc tout notre challenge aujourd'hui, c'est ça. Si on veut être au goût du jour et rentrer dans les cinq siècles qu'on a bien commencé déjà, c'est comment notre conscience peut s'ouvrir à l'application quantique, comment elle peut s'ouvrir à la conscience des forces formatrices qui animent nos existences, comment elle peut percevoir l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, comment elle peut concevoir, entre guillemets, le fait qu'il y ait des champs éthiques qui surplombent en réalité nos formes et nos actions et nos engagements politiques, économiques, sociaux, etc. Donc c'est une invitation à ouvrir notre conscience à ce monde du mystère, à ce monde du surréel qui produit du réel. Et donc la lecture astrologique entre aussi dans ce sens, si c'est une méta-histoire, c'est-à-dire essayer de comprendre les forces signifiantes qui animent l'histoire. Un premier point important ici, c'est de bien comprendre les enjeux qui sont nés avec les grandes découvertes du début du siècle dernier, parce que ça nous ouvre à un monde inimaginé par les personnes qui faisaient les mathématiques à la Newton, Descartes et les autres. Pour bien percevoir la difficulté, imaginez quelqu'un, un homme de la Renaissance, allez, 1300. Début du 15e siècle. Alors que le poids de la religion, c'est dans le poids de 1000 ans de christianisme, est encore extrêmement puissant, extrêmement présent. Comment est-ce qu'on ose raisonner, on ose penser, on ose critiquer, on ose sortir de l'argument d'autorité? Comment on ose faire des calculs? Comment on ose faire de l'anatomie alors que le corps est sacré, comme l'a fait Léonard de Vinci? Etc. Donc, parce que les contemporains de cette charnière à la Renaissance étaient, comment dirais-je, imprégnés par le mythe fondateur qui dit le corps humain est sacré, c'est Dieu qui a créé le monde, les planètes sont poussées par des anges, etc. Donc, dans leur mouvement autour de la Terre. Donc, cette vision du monde a été extrêmement difficile à nettoyer et à enlever. Il nous semble la même situation, mais ce qui est difficile à enlever, ce n'est pas la vision du monde des anges qui poussent les planètes, c'est la vision du monde de la rationalité qui fait que le calcul peut tout expliquer. Donc on rentre aujourd'hui dans un autre univers qui est celui de la conscience du surréel. Alors, je vous disais les livres fondateurs pour 1892, mais on peut faire la même chose, par exemple, pour... pour 411. 411, donc conjonction Neptune-Pluton. Qu'est-ce qui s'est passé en 411, 410, 411? En 396, Augustin d'Hippone, l'évêque d'Hippone, qui deviendra saint Augustin, publie ses confessions. Et à partir de 410, 412 jusqu'en 427, donc il a donné la note au fond au nouveau cycle. Il a écrit La Cité de Dieu, livre sur lequel tout le Moyen-Âge s'est appuyé. Et dans ses confessions, évidemment, il remet au goût du jour l'intime, alors que pour le roman, l'intime, franchement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qui se passe au moment d'une conjonction Neptune-Pluton donne la note clé des cinq siècles à venir. Un autre auteur qui est moins connu, qui s'appelle Marcianus Capella, a publié en 410 toujours les noces chimiques, les noces de Mercure et de philologie. Vous pouvez trouver en 9 volumes aux belles lettres aujourd'hui. Mais cet ouvrage est la première encyclopédie du Moyen-Âge, et la seule, et il a servi à élaborer les arts libéraux, qui étaient le seul enseignement donné dans les universités dans tout le Moyen-Âge, pendant les 1000 ans du Moyen-Âge. Donc, juste pour mettre l'accent sur l'importance de ces conjonctions, qui sont d'une part une déstructuration de l'ancien monde, et les notes semences qui sont données pour le nouveau monde. Donc c'est pour ça que je vous invitais tout à l'heure à réfléchir à ces notes semences ici, il y en a sans doute d'autres, mais qui ont pour point commun de faire des percées dans le surréel, c'est-à-dire
d'obliger notre conscience à penser des choses qui sont de l'ordre de la non-rationalité. Donc ça, c'est pour le cycle Neptune-Pluton. Donc vous voyez que un Neptune, c'est le mythe. Neptune va nous dire le mythe qui va réunir les gens, mythe du héros, mythe chrétien, mythe de la raison. Et Pluton, c'est la puissance de vie qui va donner du dynamisme et de la puissance à ce mythe pour qu'il puisse fleurir, grandir, se transformer et ensemencer toute une société. Donc la prochaine étape dans cette histoire, donc 1892, je viens d'en parler, carré Neptune-Pluton. Alors, Fanchon le disait ce matin, pendant toute la période du sextile, jusqu'en 2032, effectivement, on a une espèce de superposition des deux mondes. Le nouveau monde quantique, sur ce qu'on va appeler le surréel pour simplifier, cherche à se mettre en place et il est encore étouffé par les mémoires de l'ancien monde. Donc vous voyez cette lutte au fond entre le, je caricature, mais entre le scientisme et puis les nouvelles perceptions du réel qui sont en train de se mettre en place. Mais on sait bien sûr dans quel sens va l'histoire. Elle va dans l'histoire de l'incarnation à partir de 2075, premier carré croissant, 90 degrés, qui est une crise d'action, toujours. Donc le carré va donner quelque part des preuves irréfutables que le monde de la télépathie, que le monde des sensibles, des énergies subtiles, que la communication animale, que les forces formatrices qui sont à l'œuvre derrière les objets, que l'intrication quantique sont utile et nécessaire pour construire une nouvelle science qui atteindra son apogée au moment de l'opposition. Je ne sais pas marquer la date, mais c'est 2172, je crois. 2140. Donc, qui atteindra son opposition en 2140. Donc, si on veut être dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire si on veut se laisser, si on veut être aidé par les dieux, c'est-à-dire si on veut être aidé par le monde des archétypes, par le monde du sens, l'idée, c'est de favoriser l'émergence du surréel sans nourrir le monde de la raison rationalisante. C'est ça ce que nous dit cette conjonction Neptune-Pluton. Avec, bien sûr, peut-être, alors après, on peut toujours y poser des hypothèses, mais 2064, c'est aussi des réorientations de la civilisation qui se mettent en place. À Rome, c'était le moment où on est passé le début des Antonins et les cinq bons empereurs qui ont changé la face du monde. Donc tout ce que je vous dis là, évidemment, a été testé sur des périodes antérieures, mais on ne va pas faire toute l'histoire de l'Occident en deux ans. Donc simplement, ce qui est important ici, c'est de sentir le sens de l'histoire, c'est-à-dire que favoriser en soi et à l'extérieur de soi l'émergence du surréel. Par l'art, par la pensée, par l'art, donc Kandinsky, par la pensée, Husserl, par la conscience de l'interdépendance, la mécanique quantique, par la réflexion sur le hasard avec la radioactivité, les rayons X ont été inventés aussi à ce moment-là, hein, c'est-à-dire comment voir l'invisible. Donc, si je reprends notre tableau général, on va faire un petit tableau là. Donc ici, on est à moins 577. Et bon, je mets juste les étapes de Milan, donc 410. Oui, il n'est pas très calme, parce que ce n'est pas grave. 1399 et 1892. Donc, monde gréco-romain, civilisation chrétienne du Moyen-Âge, cinq siècles de raison avec, mais Fanchon en parlait ce matin, Newton et Galilée, qui sont les deux personnages charnières qui ont vécu au moment de l'opposition de Neptune-Pluton. Et puis, et l'époque dans laquelle on se trouve jusqu'en 2300, pour rajouter cinq siècles. Donc ça, c'est la première recontextualisation. Je voudrais en faire une deuxième avec le cycle
Saturne-Pluton. Alors, Saturne-Pluton, c'est ce que j'ai appelé le cycle des métamorphoses. Les conjonctions Saturne-Pluton se reproduisent tous les 33 ans, donc c'est un cycle court, mais toutes les conjonctions Saturne-Pluton n'ont pas la même valeur, la même puissance. Donc Pluton, c'est le principe, l'archétype de métamorphose, de transformation, et Saturne, c'est le principe de réalité, c'est le principe de contrôle. Donc vous voyez bien que quand il y a une force de contrôle qui veut empêcher une puissance de mutation, la vie devient compliquée. Ça fait de la paranoïa, ça fait de la psychose collective. Alors on a deux solutions, soit Pluton l'emporte sur Saturne et ça fait des conflits armés, soit Saturne l'emporte sur Pluton et ça fait à ce moment-là des répressions totalitaires. Pour vous donner une idée, la dernière conjonction Saturne-Pluton 2020, que vous connaissez, je ne vous fais pas le tableau, hein, mais on avait vraiment l'impression que Hadès, le dieu des morts, Pluton, demandait son lot d'âme chaque jour, puisque tous les jours on avait égrené le nombre de morts, vous vous souvenez, par le Salomon. Ce qui était assez incroyable. Une société qui adore la mort, quelque part. Qui fait son espèce d'obole à la mort. Mais si on regarde les conjonctions Saturne-Pluton précédentes, donc Saturne-Pluton Capricorne en 2020, Saturne-Pluton, la précédente, elle était en balance en 1982, donc ça c'est la pandémie du sida. La précédente, 1947-1948, c'était donc la fin des deux guerres mondiales, mais surtout le début de la guerre froide. Donc une sorte de paranoïa collective entre l'Est et l'Ouest. Et 1914, celle-ci a dégénéré en violence, conjonction 1914 en cancer, première guerre mondiale. Et la deuxième a été enclenchée par le carré décroissant Saturne-Pluton de 1939. Donc vous voyez que ces conjonctions, ces cycles Saturne-Pluton, soit favorisent une explosion de la violence, Pluton domine sur Saturne, soit c'est-à-dire la conscience morale saturnienne est complètement dépassée et toutes les atrocités sont permises, soit le principe de réalité, le surmoi, on dit dans la psychanalyse, réprime les puissances plutoniennes, mais au prix d'une psychose collective, au prix d'une paranoïa collective, au prix d'une peur de la mort. Mais tout ça ne suffit pas pour comprendre la conjonction de 2020. Alors, je vais vous le dire quand même rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues dans la salle, donc je vais vous en parler un peu techniquement. Vous savez que les conjonctions successives Saturne-Pluton autour du zodiaque dessinent un heptagramme. Bon, je suis très mauvais pour dessiner l'heptagramme, c'est pas du tout un heptagramme, imaginez que c'est un heptagone. Autrement dit, il faut 7 conjonctions successives, Saturne-Pluton autour du zodiaque, pour boucler le tour du zodiaque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un grand cycle. Un cycle, c'est la rencontre entre deux planètes. Un cycle Saturne-Pluton, c'est le temps qu'il faut pour que Saturne et Pluton reviennent en conjonction successivement. Et le grand cycle, c'est pour que les conjonctions successives Saturne-Pluton reviennent à peu près au même endroit dans le zodiaque. Donc ça dure 234 ans. Si on parle de la période axiale, c'est Jasper, effectivement, on cherchait son nom tout à l'heure, le philosophe Jasper qui disait qu'il y a effectivement, entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère, il y a une période où, pour la première fois, l'humanité a pris conscience d'elle-même. Donc ça, c'est un très conjoncturalis de petit Pluton. Et pourquoi je parle de Jasper ? Oui, parce que si on considère que le début des grands cycles Saturne-Pluton commence en 577, au moment de la triple conjonction, on peut tous le dessiner hein, jusqu'à aujourd'hui, et on se rend compte que chaque grand cycle
va commencer un peu avant dans le zodiaque que le précédent. Vous suivez jusqu'à là? Donc, premier grand cycle, deuxième grand cycle, patati patata, troisième, patati patata, quatrième, etc. Donc, du coup, à un moment, ça va sortir du taureau et rentrer en bélier. À un moment, ça va sortir du bélier, rentrer en poisson. Et à un moment, ça va sortir du poisson, entrer en verseau. Et à un moment, sortir du verseau, entrer en capricorne. Donc, cette conjonction qui, pour la première fois, initie un grand cycle en dehors ici du taureau pour commencer en bélier, en dehors du bélier pour commencer en poisson, c'est un grand cycle, c'est un cycle de métamorphose essentiel dans l'histoire de l'humanité. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, pour la première fois, le grand cycle a commencé en bélier, en 379. Il a duré jusqu'en 411. Alors, il était en fait synchrone à la fin d'un cycle Neptune-Pluton. Il s'est passé une chose qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. En 379 exactement, c'est ce qu'on appelait l'édit de Théodose. Théodose dit, écoutez, Théodose, empereur romain, Théodose dit à tous ses potes chrétiens, vous pouvez détruire les temples, détruire toute la culture romaine, je vous soutiens. Alors, les chrétiens habités par une foi transcendantale de type bélier ne s'en sont pas privés. Et en 30 ans, en 33 ans, toute l'élaboration de millions d'histoires gréco-romaines a été détruite, y compris les manuscrits, la bibliothèque d'Alexandrie, enfin, tout ce que vous connaissez. Donc les destructions peuvent être extrêmement rapides. Les déflagrations peuvent être... Alors c'était soutenu parce que, par le fait que c'était dans la conjonction décroissante Neptune-Pluton. Mais quand même, le pouvoir de métamorphose de ce cycle Saturne-Pluton entre 379 et 411 a été exceptionnel. Et au moment de l'opposition, en 395, au moment de l'opposition Saturne-Pluton, Théodose meurt, bon, ça, c'est pas de sa faute, mais surtout les Goths se réunissent et préparent en fait ce qui va se passer en 410, c'est-à-dire le sac de Rome. Donc l'opposition est un moment de violence qui va aboutir à la destruction de Rome en 410, nouvelle conjonction Saturne-Pluton. Alors ensuite, notre grand cycle Saturne-Pluton, il a continué, il a repris plusieurs fois en bélier, et puis un jour, il a commencé en poisson. C'était en 1083. Le monde occidental a changé en 1083. Donc c'est un cycle qui a duré entre 1083 et 1115. Donc, conjonction en 1083 et nouvelle conjonction en 1115. C'est un cycle de métamorphose qui a accompagné les croisades. Alors, j'ai détaillé dans un autre ouvrage mais qui n'est pas encore publié, mais on peut montrer que toutes les croisades sont liées au cycle Saturne-Pluton, à l'exception de la quatrième, liée à Uranus-Pluton. Et la fondation de l'ordre du Temple, en 115, qui a accompagné, bien sûr, le grand cycle des croisades. Donc, qu'est-ce qui s'est passé comme changement dans l'histoire? Il s'est passé que... Vous voyez l'énergie poisson qui est derrière. C'est-à-dire, les chrétiens d'Occident voulaient sauver de Jérusalem, le tombeau du Christ pris en otage par les Turcs à Jérusalem, et ils sont partis en croisade. Alors, c'est un truc assez incroyable. Il y a la croisade la croisade des pauvres. C'est-à-dire, avant même que en 1095, avant même que le coup d'envoi officiel soit donné, de nombreuses personnes, de nombreux paysans sont partis avec leurs faux, leurs pêches, leurs bêches, leurs femmes et leurs enfants, sauver Jérusalem. Ils sont perdus, ils ont été massacrés, non loin de Constantinople. Mais pour dire à quel point, j'essaie juste de vous montrer, l'événement on s'en fout, mais j'essaie juste de vous montrer à quel point l'inconscient collectif peut manipuler les foules, peut manipuler les gens, et pour le meilleur ou pour le pire, les entraîner vers des choses irraisonnées. C'est ce qui s'est passé en 2020 avec l'histoire Covid. Donc on n'est pas exempt de ça. On n'est pas exempt de ça. Et pourquoi on n'est pas exempt de ça? Parce qu'on n'a pas conscience des numènes qui nous animent. On n'a pas conscience des forces du tapis de la métahistoire
qui organise notre histoire et on croit qu'on fait des trucs parce que c'est scientifique. Ou parce qu'aujourd'hui que c'est scientifique, il y a au Moyen-Âge parce que c'était la volonté de Dieu, ou il y a à l'époque romaine parce que c'était fallait se comporter comme un héros. Donc on a toujours un discours qui ne correspond jamais à la réalité, parce qu'on n'est pas capable de percevoir la réalité. Et aujourd'hui, le vrai challenge, c'est de percevoir cette réalité du surréel, du monde métaphysique qui anime le monde physique, qui lui donne du sens et qui le dirige dans une certaine direction. Et bien sûr, la lecture astrologique va nous aider à ça. Donc, 1083-115, deuxième grande métamorphose en Occident, alors pas tellement du fait des guerres des croisés, du fait, mais aussi parce que les croisés ont ramené d'Orient toutes les manuscrits grecs qui avaient été perdus, et donc l'Occident a été ré-ensemencé par la pensée grecque. Et ça a permis plus tard la Renaissance. Et l'autre point important, mais qu'on a oublié parce que ça ne s'est pas enraciné dans notre histoire, c'est l'amour courtois, c'est le fin amour, développé par notamment Éléonore d'Aquitaine plus tard, et qui a développé toute cette notion d'élégance, d'art, de rapport homme-femme très, très, très codifié, mais très, très égalitaire en même temps, qu'a connu le Moyen-Âge, qu'a connu le deuxième Moyen-Âge. Donc, deuxième métamorphose. Donc, première métamorphose, c'était la destruction de 1000 ans de civilisation chrétienne et, avec Saint-Augustin, l'émergence de la pensée politique chrétienne. Et deuxième métamorphose, c'était, au fond, les gens sortent de... Vous savez, l'objectif du premier Moyen-Âge, qu'est-ce qu'ils cherchaient, les gens ? À sauver leur âme. Mais après, ils sont allés, ils ont voulu sauver le tombeau du Christ, etc. Donc, ils sont rentrés dans une dimension de conquête. Donc, il y a une espèce de basculement, le type poisson. On ne connaît plus les limites, on va dans toutes les directions possibles pour accomplir la volonté de Dieu, ou supposée. Et puis, vous voyez que la troisième grande période de métamorphose, elle a commencé en 1786-1820. Donc, conjonction Saturne-Pluton en 1886 et nouvelle conjonction en 1820. En verso. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, pour l'anecdote, en France, j'ai oublié son nom, un ministre de Louis XVI abolit les corporations. Au nom du libéralisme, au nom du libre-échange, c'est-à-dire il a aboli tout le système social du Moyen-Âge, qui restait du Moyen-Âge. Social et professionnel qui restait du Moyen-Âge. C'était une catastrophe. Ça a été une des raisons de la Révolution française. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'émergence de valeurs verso qui va bouleverser à nouveau l'ancien système. Avant, c'était des rois adombrés par Dieu, en tout cas en théorie, qui dirigeait le monde. Aujourd'hui, à présent, à partir de 1786-1820, ce sera la naissance du libéralisme économique. La première révolution industrielle, on la date en général des années 1780, fondée sur le charbon. Découverte d'Uranus en même temps, bien sûr. Et donc tout le libéralisme, en fait, a duré 234 ans. Donc ça, c'est la première étape. Mais le grand cycle lui-même va durer jusqu'en 2020, puisqu'en 2020, on aura une nouvelle conjonction en Capricorne. Donc, 1786, fondation des États-Unis, et développement du libéralisme économique. Donc, c'est ça qui me fait dire, au fond, si on est dans cette logique des métamorphoses, c'est ça qui me fait dire que on n'est pas encore de l'ère du Verseau, mais que cette phase de métamorphose entre 1786 et 2020, donc le grand cycle cette fois-ci, dont la semence a commencé entre 1786 et 1820, n'est qu'un avant-goût de ce que pourrait être l'ère du Verseau. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré en réalité dans une phase capricornienne. Donc je vais vous dire. Parce que si on regarde astronomiquement, il y a un très bon article d'ailleurs dans l'auteur du logiciel Olympia sur la question de l'ère du Verseau, il montre très bien qu'astronomiquement, on n'y est pas encore. On est loin. Donc
Je sais pas. Voilà. Donc première chose, c'est un avant-goût de l'ère des versants qui nous a été donné pendant 234 ans. Deuxième chose, c'est la fin du monde de l'hégémonie américaine. Pourquoi ? Parce qu'elle est fondée justement sur ces valeurs versants, du libéralisme économique, d'une forme de cynisme. Les versants, c'est pas. Vous savez qu'on guettera bientôt l'âge du poisson. Hein. C'est pas l'âge de l'amour christique. Parce qu'il y a une forme d'impersonnalité, de cynisme. Les versos développent une fraternité en théorie, mais a du mal à l'appliquer dans la pratique. Le verso, il aime tout le monde, il fait des théories sociales du bien-être collectif, mais en même temps, il a du mal, ils se sont exilés parmi les autres, ils se sont exilés parmi les gens. Donc faites attention à ne pas idéaliser le verso et à, on va dire, rejeter le poisson. Donc qu'est-ce qui se passe en 2020? Donc vous voyez que 2020, c'est pas seulement c'est la pandémie du sida, mais c'est pas seulement une étape. Oui, du Covid, merci. Merci. Donc c'est pas seulement la pandémie du Covid, mais c'est aussi une étape cruciale, alors qui va durer aussi 35 ans, hein, comme nous autres, 30 ans, 35 ans, de métamorphose de notre histoire. À l'égal de celle qui s'est passée sous Théodose, la destruction entre guillemets, des idoles, celle qui a initié le grand bouleversement des croisades et de celle qui a initié le grand bouleversement de la naissance du monde libre, du monde libéral, qui est surtout un libéralisme économique, en fait, en 1786. Donc la période actuelle est profondément mutante et le monde d'avant, le monde d'après ne sera pas le monde d'avant. Que dit Capricorne? Il dit fini gaspillage. Il dit fini, je veux fini l'individualisme exacerbé qu'on a connu dans le verso. Alors il va aussi questionner bien sûr les qualités du verso, sur les grandes découvertes, la claire-pensée, le développement de grands systèmes idéologiques qui apportent plus de fraternité dans le monde, etc. Le Capricorne, alors on va pour comprendre ce qui se passe dans cette période, donc 2020, donc j'ai dessiné ici 2020-2053, qui sera la future conjonction Saturne-Pluton. Comme toujours, il y a un aspect ombre, un aspect lumière. Le Capricorne, c'est quoi? Saturne. Donc Saturne, le maître du Capricorne. Donc vous voyez bien qu'ici, c'est l'ordre moral Saturne qui a gagné sur la puissance instinctive de métamorphose Pluton. Puisque la conjonction a lieu au Capricorne. Chronos, c'est quoi? Saturne, Chronos. C'est ce dieu grec qui avale ses enfants parce qu'il a peur d'être détrôné. C'est pas gentil. Donc, c'est pas gentil, mais en fait, on va voir pourquoi c'est important d'avaler ses enfants. Donc, dans une première lecture, c'est-à-dire le niveau de la personnalité, on va dire Chronos, c'est le retour de l'ordre moral, ce qui est effectivement le cas. À chaque fois qu'on a une conjonction Saturne-Pluton, on a un retour de l'ordre moral. C'est le refoulement. C'est le fait de ne pas laisser les jeunes pousses prendre leur envol et oser le risque d'être dépassé par son futur. Ça, c'est au niveau de la personnalité. Si vous regardez au niveau de l'âme, que signifie le fait d'avaler ses enfants? Saturne, c'est le seul dieu grec mâle qui est enceint de ses œuvres. Il a un gros ventre, il est enceint de ses œuvres parce qu'il a avalé tous ses enfants. Un jour, Métis veut dire la ruse, lui donne un émétique, c'est-à-dire une boisson vomitive à boire, et il va régurgiter ses enfants, c'est-à-dire les faire naître non pas par les lèvres du bas, mais par les lèvres du haut. C'est la seconde naissance. Donc à quoi nous invite cette période saturnienne qui indique bien sûr, dans une certaine mesure, la fin du gaspillage, la fin des libertés individuelles, la fin, le déclin des démocraties, verso
le déclin d'une forme de liberté. Il nous invite à aller vers, à avaler nos enfants, c'est-à-dire à aller vers une forme d'intériorité pour aller vers la seconde naissance. C'est quoi la seconde naissance? C'est la naissance à la conscience, alors c'est un mot galvaudé, la conscience de l'âme, à la conscience du soi, si on prend le Jung, au fond, à naître dans cet espace du cœur intérieur qui est un éternel printemps, même au cœur de l'hiver. Donc, le confinement, si je puis dire, a cette vertu, c'est-à-dire de nous ramener à l'intérieur, de prendre conscience de nos puissances et de nous contraindre à rentrer dans le surréel que j'évoquais tout à l'heure du fait des cycles Neptune-Pluton. Vous voyez que... Qu'est-ce qui se passe? Saturne, le principe de réalité, nous oblige à intérioriser les puissances Pluton qui nous habitent pour favoriser la métamorphose de l'être humain dans le cadre de cette crise ontologique dont je parlais tout à fait au début. Donc, si je reviens ici, on va mettre, c'est pour ça que j'ai mis le Capricorne ici, donc on est dans cette phase en fait entre 2020 et 2053, qui est cette phase de retournement entre l'involution et l'évolution, cette phase de conversion, qui, par l'intériorité, nous permet de remonter d'une manière sensible vers le monde du mystère, alors que pendant tout ce processus de 4000 ans, si vous voulez, ou d'un million d'années, on a été de plus en plus contraint vers l'intérieur, justement pour faire cette métanoïa, pour faire cette transformation, pour faire ce retournement. Et là, d'une manière très précise, avec ce cycle de 2020, Capricorne, Saturne, Pluton, on y est quasiment contraint. Sinon, on ne peut pas le faire. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vers une société orwellienne. Orwellienne. 1984. Mais publié, alors il y a Orwell et puis il y a Huxley, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Et ces deux ouvrages, là, alors je vais faire des erreurs sur les dates, mais là a été publié en 1931-1932, au moment de l'opposition Saturne-Pluton et la découverte de Pluton, et l'autre, au moment en 49, au moment de la conjonction Saturne-Pluton. 48, puisque 44, c'est l'inversion de 48. Voilà. Donc c'est Orwell. Donc vous voyez que c'est des ouvrages prophétiques, simplement parce qu'ils étaient inspirés par l'esprit du temps. Conjonction Saturne-Pluton de 48 et opposition Saturne-Pluton de 1931, et qui se rejouent bien sûr à chaque fois qu'on a une conjonction Saturne-Pluton. Donc ils vont reprendre, et ces deux livres n'ont jamais été aussi vendus qu'en 2020, si vous vous souvenez. Hein, donc l'esprit du temps, l'âme de l'histoire, nous ramène à nouveau à ce dilemme, à cette question, comment nous, en tant qu'êtres humains détenteurs de liberté, pouvons intégrer ces puissances, ou est-ce qu'on va se laisser écraser et devenir esclave par les puissances du monde extérieur? C'est-à-dire, Saturne-Pluton, c'est toutes les oligarchies, c'est-à-dire les gens qui ont du pouvoir par l'argent, parce qu'ils ont peur de mourir. C'est-à-dire, ça c'est encore une histoire qu'il faut garder. Parce que, qu'est-ce qui se passe? J'insiste sur cette conjonction Saturne-Pluton parce qu'elle est bien sûr d'actualité. La dernière fois qu'elle a eu lieu en Capricorne, c'était en 1517. Donc elle revient dans le même signe tous les 5 siècles. Il se trouve que c'est comme ça. Et en 1517 exactement, vous le savez, Luther affiche ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg, en Allemagne, enfin dans les pays germaniques, et c'est le début du protestantisme. Si on suit le cycle du protestantisme, il est rythmé par les conjonctions Saturne-Pluton, c'est-à-dire naissance du protestantisme en 1517. J'ai plus toutes les dates en tête, vous m'excuserez, mais les différents traités
qui ont essayé de concilier les États protestants et les États chrétiens se sont produits à chaque fois qu'on devait une conjonction exacte, Saturne-Pluton, et on n'en sait pas une, elles fonctionnent toutes, jusqu'en 1617 et 1648. Donc 1617 conjonction Saturne-Pluton, 1648 nouvelle conjonction, donc vous avez un cycle de 34 ans. C'est la guerre de 30 ans. C'est la guerre de 30 ans. On a eu deux grandes guerres de 30 ans, hein, 1914-1945 et 1617-1648, toutes deux scandées par un cycle Saturne-Pluton. C'est-à-dire commencer par une conjonction et terminer par une conjonction. Mais pour comprendre en fait ce qui se passe là, c'est, il faut remonter à la conjonction de 1517. Et donc 1617-1648, c'est une guerre européenne extrêmement violente. L'Allemagne, les pays germaniques sont réduits en cendres, exactement comme en 1945. Et surtout, ça s'est terminé avec le traité de Westphalie, on en parlait tout à l'heure, et qui est l'opposition de Saturne. Donc à Westphalie, vous aviez une conjonction Saturne, qui est un moment important de l'histoire européenne, vous avez la conjonction Saturne-Pluton qui s'oppose à la conjonction Neptune. À Neptune. Qui s'oppose à Neptune et Uranus. À Uranus-Neptune. Donc c'est une structure quasiment unique dans le ciel. Et donc, à nouveau, on voit à quel point les cycles Saturne-Pluton sont métamorphosants dans l'histoire. D'autant plus que, en fait, maintenant c'est un peu plus philosophique que je vais vous dire, mais ça c'est les travaux de comment il s'appelle ? Non, celui qui a analysé l'éthique du protestantisme. De Max Weber. Donc Max Weber a analysé la chose suivante, en résumé. Le protestantisme c'est quoi ? C'est la sortie de la sèse hors du monastère. On voit bien la sèse, hein, Saturne-Pluton. Mais tout à coup, la sèse est sortie hors du monastère et a décidé de faire des affaires. Donc ça a donné naissance, pour le faire bref, au capitalisme moderne. L'éthique du protestantisme, c'est-à-dire l'esprit du protestantisme, pas forcément tous les protestants. Mais donc cette conjonction de 1517 a complètement changé l'histoire jusqu'à la guerre de 30 ans, et par la suite aussi, parce qu'elle a permis l'émergence du capitalisme. Cette mode de vie sans joie, nous dit Weber, dans lequel chaque individu qui y naît est broyé par des mâchoires de fer. Parce que ce mode de vie, Saturne-Pluton, émane de tout être humain des choses aussi capricieuses et dangereuses que la danse, les jeux de cartes, la nudité, etc. Donc vous voyez que nous sommes entrés dans ce monde sombre, il suffit de voir les costumes cravates, du fait de la réforme de Luther et de ses conséquences sur l'esprit du peuple. Donc, cette conjonction de 2020, Capricorne, est doublement importante, parce qu'elle est dans un cycle de métamorphose, comme 1379, 1083, 1786. Et elle répète, d'une certaine manière, l'acte de Luther en disant pourquoi Luther a fondé le protestantisme, parce qu'il a dit « il y en a marre du gaspillage, il y en a marre des indulgences ». Vous savez ce que c'est une indulgence, hein, c'est le pape qui signait des papiers en disant « vous pouvez faire aller aux croisades, vous pouvez en gros me servir ». Mais je vous signe un papier, tous vos péchés seront remis et vous irez directement au paradis. À l'époque, on croyait aux indulgences, donc c'est un mythe fondateur, comme nous aujourd'hui, on croit à la raison. Et donc, Luther va dire, ça suffit, vous connaissez. On est après 1399, on est entré dans la Renaissance, il faut développer une relation personnelle à la sola scripturale, seule l'écriture compte. Il faut développer une relation personnelle avec Dieu, avec le sacré, à travers la lecture de la Bible qui peut être imprimée grâce à Gutenberg, bien sûr.
Donc c'est cet esprit-là qui a tout changé. Donc, aujourd'hui, on a inventé une nouvelle imprimerie, ça s'appelle, au moment d'une conjoncture Uranus-Pluton, comme en 1450, il y avait une conjoncture Uranus-Pluton. On a inventé une nouvelle imprimerie, ça s'appelle Internet. Et donc, les nouveaux lutteurs, en quelque sorte, qui prennent le contre-pied de la civilisation précédente, c'est tous les gens qui sont au réseau, et qui sont entre guillemets complotistes et qui essaient d'avoir une relation à la fois au sacré et au monde qui est différente, comme Luther a essayé de le faire. Et évidemment, nous, aujourd'hui, on lutte contre les conséquences de Luther, alors que Luther, lui, luttait contre les conséquences du christianisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, entrer dans cette conjonction, cette Pluton de 2020, jusqu'en 2053, ça veut dire qu'on a 30 ans pour poser les... Je ne vais pas dire les semences du nouveau monde, parce qu'elles ont été posées là, mais pour incarner dans la puissance, dans la volonté et dans des œuvres concrètes ce nouveau monde qui passe par l'intériorisation, qui passe par le Capricorne, qui passe par tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est les étapes clés de la transformation ontologique de l'être humain, si je puis dire. Donc 2028, carré croissance. Alors, si on ne fait pas, évidemment, toutes ces dates sont des dates de conflit. 2028, 2035, 2044. Ce sont des dates de guerre. Puisque si on n'arrive pas à incorporer ces puissances, évidemment, elles vont nous tomber sur la figure. Mais dans le meilleur des cas... on avait une opposition Saturne-Pluton en 1099, prise de Jérusalem par les croisés, etc. Donc à chaque fois, on a des choses un peu tendues. Donc prochaine étape décisive sur le plan géopolitique, bien sûr, ce sera 2028. L'OTAN est née en 48, c'est une conjonction Saturne-Pluton. Donc les problèmes qu'on a, entre guillemets, avec l'OTAN aujourd'hui, ressurgissent à l'occasion de 2020. Alors un mot, je ne sais pas quelle heure il est, c'est combien de temps il reste ? 4h30. Alors un mot sur les autres... Donc j'essaie de vous montrer trois choses. La première, c'est qu'on est dans une période cruciale dans l'histoire de l'humanité. La deuxième chose, c'est que le vent d'histoire nous pousse à entrer dans le surréel depuis, en méditant la teneur intérieure, on va dire, des grandes découvertes qui ont eu lieu dans les années 1900. La troisième chose, c'est que depuis 2020, on est dans une période de dureté qui nous pousse à aller vers l'intériorisation ou, d'une certaine manière, à renoncer à notre liberté et à mourir en accueillant un monde orwellien. Et il nous reste encore donc, deux ou trois cycles dont je n'ai pas parlé. Alors, vous voyez que entre 1988 et 1993, on avait une triple conjonction Saturne-Uranus-Neptune. Celle-ci se reproduit tous les 684 ans, exactement. La dernière fois qu'elle s'est produite, c'était en 1307, qui correspond à la naissance de l'Empire ottoman. 1299, l'Empire ottoman, exactement. La fois d'avant, c'était au moment de l'Égir, 622, donc naissance de l'islam, 622, 624, 625. Et la fois d'avant, c'était en moins 60, à l'époque exacte, où César a décidé de s'associer avec Pompée et Crassus pour faire le triumvirat, qui, de fil en aiguille, a donné naissance à l'Empire romain. Donc vous voyez que cette triple conjonction, c'est la naissance des empires. Empire romain, conquête de l'islam, des armées du prophète, et puis l'Empire ottoman. Qu'est-ce qui s'est passé en 1988-89? Vous savez, chute du mur de Berlin. Mais surtout, la possibilité de suivre ce que disait en fait Gorbatchev, c'est-à-dire de créer une maison européenne commune. Alors ça a bugué quelque part.
Je ne sais pas pourquoi, c'est pas payé. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Qu'on a raté bien sûr une opportunité de créer un grand continent euro-asiatique de Vladivostok à Brest, comme le voulait d'ailleurs De Gaulle, qui soit un point d'équilibre entre le monde chinois et le monde américain. Non, ça a dû bugger dans les années 2015-2005. On ne sait pas, il faudra regarder exactement pourquoi. Mais ceci dit, le monde romain a mis entre moins 60 et moins 27, on a mis quand même 30 ans pour se construire. Tout ça, ça se fait sur le long terme. Mais pour l'instant, il faut reconnaître qu'on est mal parti. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Que ces années 88-93 auraient dû. On parlait en partie d'ailleurs de la construction européenne, puisque c'est le traité de Maastricht en 1993, mais on aurait dû avoir, aurait pu avoir une beaucoup plus grande ambition géopolitique pour construire une nouvelle forme de civilisation européenne. Le cycle Uranus-Neptune parle de la construction européenne. Si on regarde depuis l'histoire romaine, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une construction, il y a une relance de la construction de l'Europe, qui n'est pas nouvelle, hein, puisque déjà Charlemagne a fait l'Europe. En 793, au moment de la construction de Neptune en Vierge. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que je n'ai pas noté ici, mais 2017, 2000 carrés Uranus Neptune, donc sur le Brexit, 2016-2017. Et donc le demi carré en astrologie, c'est un moment où les premières résistances du monde extérieur commencent à se manifester et à challenger l'idéal de la conjonction. Donc si on suit cette logique, on voit que la prochaine étape importante qui risque de faire clasher l'Union européenne, c'est 2040, carré Uranus Neptune. Si l'idée fascinante du début n'est pas suffisamment alimentée, nourrie. Et après l'opposition, alors l'opposition, comme toujours, les oppositions, c'est les chiens qui se regardent, on se regarde en chien de faïence, hein, on voit l'autre en face et on se dit, bon d'accord, dans le meilleur des cas, on dialogue, dans le pire des cas, on se fout sur la tronche. Et les cycles Saturne-Neptune, alors Uranus-Pluton, j'en dis un mot. 1965, c'est en Vierge, c'est la naissance de l'informatique. En fait, pour être précis, c'est les premières grandes avancées scientifiques qui ont permis l'intelligence artificielle, dont on nous annonce aujourd'hui plein de catastrophes et plein de merveilles en même temps. Donc carré, vous voyez la fonction du carré, ça concrétise quelque chose en réalité. C'est une étape supérieure dans ce qui a été mis en place dans les années 60 avec la révolution informatique. Révolution libérale, etc., ça joue bien sûr sur plusieurs points. Le cycle Uranus-Pluton, alors Schumpeter utilise, qui est un économiste, parle de l'économie occidentale comme étant de destruction créatrice. Et c'est exactement le sens d'Uranus et Pluton. Pluton destruction, Uranus création. Donc toute l'économie moderne est fondée sur ce cycle Uranus-Pluton. Alors quand on est gentil, on dit que c'est la destruction créatrice. Quand on est réaliste, on dit que c'est du pillage. Et un autre sens des cycles Uranus-Pluton, c'est le quasi systématiquement, c'est de l'ingérence de l'Occident vers l'Orient. La deuxième croisade, la quatrième croisade, pardon, 1204, c'est une conjonction Uranus-Pluton, où on était capable de prendre Constantinople, qui était pourtant nos potes, hein, c'était des chrétiens orthodoxes, sous prétexte d'aller conquérir les territoires arabes. Et donc 2014, c'est tout le problème de l'Irak, hein, l'invasion du Moyen-Orient par les armées américaines, 2012-2016. Donc ça joue, comme toujours, les archétypes utilisent les matériaux à leur disposition, donc vous utilisez le matériel intellectuel pour créer une innovation qui est l'intelligence artificielle,
ils vont créer des matériaux géopolitiques à disposition pour envahir, pousser les armées à envahir l'Orient. Donc 2046, à mon avis, c'est la date la plus dangereuse. D'une part, c'est l'opposition à Uranus-Pluton. La dernière opposition, 1792, c'était la Terreur, en France. Oui. Comment ? Ça a donné la Première République française. Oui, alors, c'est les grands combats qui, bien sûr, qui font émerger du sentiment. Après, Robespierre était verso, au passage. Il était dans ce cycle de métamorphose, Saturne-Pluton verso. Donc, 2046, alors on peut après imaginer, mais c'est possible, parce que c'est l'industrialisation qui est née avec les cycles Uranus-Pluton, le monde économique, libéral, industriel, etc. On peut imaginer que ce sera les premières conséquences objectives, concrètes et inéluctables du réchauffement climatique, par exemple, et de toute la pollution qui va devenir totalement une deadline, dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est à mon avis la période la plus difficile à attendre. Donc, et après, bon, on pourrait parler de Saturne-Neptune, Saturne-Uranus, qui est englobé l'histoire du communisme et la guerre en Ukraine aujourd'hui. Je voudrais juste, pour conclure sur ce point, vous montrer ça. C'est que la Russie est liée au cycle Saturne-Neptune. Donc, 1846, 48, publication du manifeste, l'idéologie russe du communisme est liée au cycle Saturne-Neptune. La Russie elle-même est liée au cycle Neptune-Pluton. Donc, 1847-48, publication du manifeste par Marx, donc conjonction Saturne. Neptune en verso. 1883, conjonction suivante en taureau. Donc je ne mets que les conjonctions, faites attention, ce n'est pas les aspects. 1917, conjonction en lion. Et 1953, conjonction en balance. Et 1989, conjonction en Capricorne. Donc vous voyez que le grand cycle Saturne-Neptune, c'est dessiné. Donc il suffit de regarder. Hein. Publication du manifeste en 1948. 1883, c'est la mort de Marx. Et donc comme Marx est mort, tous les, en taureau, les partis communistes s'incarnent dans toute l'Europe et commencent à diffuser dans tout le territoire européen. Donc on a le sens du taureau, le matérialisme qui s'impose, et comme le fondateur est mort, évidemment, ça laisse plein de possibilités de diffusion. Cette idée socialiste, au départ, devient communiste en 1917 avec la révolution russe en Lyon. Donc pour la première fois, une nation, donc Lyon, affirme son identité à travers cette idéologie, cette idéologie. Et 1953, c'est la mort de Staline, conjonction en balance, donc Khrouchtchev prend le pouvoir, et c'est le dégel. Les deux blocs commencent à pouvoir enfin dialoguer. Et 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Donc vous voyez à quel point la Russie, le monde communiste, pas forcément la Russie en tant que territoire, mais le monde communiste est organisé par les sécrétaires. Et donc la prochaine, ce sera 2026. La prochaine conjonction, c'est 2025 ou 26, je ne sais plus. Donc vous voyez ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire depuis la guerre en Ukraine, on est dans une phase, Saturne est là, Neptune est là, donc on va vers la conjonction, on est en 2022-2023, donc on va vers la conjonction de 2026, et on est dans un fin de cycle pour le monde communiste. Et une renaissance, puisque ce sont des livres. Donc on peut dire probablement que ce fameux conflit va s'éteindre en 2026, et qu'il va y avoir une espèce de renaissance sur d'autres bases du monde russe. Il y a d'autres choses qui interviennent, mais je n'ai pas le temps de noter ici. Alors pourquoi je raconte tout ça? Donc, un, on est dans une période cruciale de l'histoire de l'humanité. Deux,
cette période cruciale de l'humanité fait que entre 2020 et 2053, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un grand processus de métamorphose et de nettoyage des anciennes croyances, des vieilles croyances, y compris la raison. Trois, l'objectif de ce cycle qui a commencé avec en gros 1900, c'est de nous ouvrir à la multidimensionnalité du réel pour que nos schémas de représentation, pour que notre cerveau puisse s'adapter à ces nouveaux existants et abandonner ces certitudes purement logiques. J'ai pris la métaphore, l'image que pour un homme de la Renaissance, c'était difficile d'affirmer la raison à cause du système de croyances religieux de la foi chrétienne. Aujourd'hui, c'est difficile d'affirmer le surréel à cause du système de croyances de ce que j'ai appelé le mythe de la raison. Car la raison est un mythe, c'est-à-dire que c'est juste une représentation du monde qui fonctionne aussi bien que la représentation du monde du Moyen-Âge, où les gens qui devaient faire l'épreuve de vérité, vous savez, ils mettaient leurs mains dans le feu, et si j'étais coupable, la main brûlait, si je n'étais pas coupable, Dieu les épargnait, la main brûlait. Ça marchait très bien. Bon, alors, c'est un autre système de croyance. Donc c'est une invitation à entrer dans le surréel, et alors, entrer dans le surréel, j'insiste là-dessus parce que entrer dans le surréel, c'est quoi? C'est augmenter sa sensibilité. Augmenter sa sensibilité, c'est quoi? C'est d'une part considérer que nous vivons dans un monde sujet-sujet et non plus seulement sujet-objet, comme l'a développé la science pendant 5 siècles. C'est accueillir les puissances d'en bas et les forces en haut. C'est accueillir les puissances qui émergent de la Terre, qui émergent de nos profondeurs, qui émergent des instincts, qui émergent de l'instinct mort également, ça en fait partie. Et recevoir les présences ou les énergies d'en haut, c'est-à-dire en se connectant au monde symbolique des étoiles, c'est-à-dire à ce que Robin Doe appelait le supramental, hein, c'est-à-dire faire descendre ces énergies-là dans le corps pour aller vers le nouvel homme, vers la métamorphose de l'homme, puisqu'encore une fois, on est dans une période de mutation ontologique. C'est aussi ouvrir sa sensibilité au monde extérieur, c'est-à-dire aux plantes, aux animaux, aux autres règnes de la nature, parce que ce sont des sujets, justement. Autrement dit, c'est questionner la nature de la conscience et percevoir que les autres règnes de la nature sont aussi des formes de conscience, c'est-à-dire entrer dans une forme de non-séparabilité théorisée par la mécanique quantique. Celui qui fait ça, celui qui fait tout ça, va devenir quelqu'un d'autre. Vous comprenez bien. Parce que ce n'est plus le retour sur investissement qui va nous intéresser. Ce n'est plus qu'est-ce que je mange à midi qui va nous intéresser. C'est la seule chose à la limite qui va pouvoir nous intéresser, c'est ce qui nous traverse pour entrer directement dans une œuvre, dans une action qui répond aux besoins de l'univers à ce moment précis de notre histoire, c'est-à-dire maintenant. Quand je dis maintenant, ça veut dire faire entrer le futur dans le présent. Le maintenant, c'est pas. Mais faites attention, quand je dis maintenant, ça veut dire faire entrer le futur dans le présent. Ça ne veut pas dire être dans l'instant présent, c'est encore autre chose. C'est ça qui va nous dynamiser. C'est la puissance du futur qui... Pour plein de raisons, on peut voir le temps comme une géographie. Le temps est une géographie. Et donc, se laisser arpenter par la géographie du temps, c'est accomplir à chaque instant les besoins du futur.
Voilà, je voulais ajouter cette précision. Magnifique.